Poutine qui nous a bouleversés par son message. Crise et applaudissements d'approbation. Un continent sous influence reçoit un accueil triomphal au FESPACO. Une fiction où un chef d'État africain nationalise les entreprises occidentales aux dirigeants cyniques et racistes qui tentent vainement de le renverser par tous les moyens. Évocation de sortie du franc CFA, fierté d'être africain. Hé, mais vous êtes gonflés, vous ? Je ne suis pas d'accord ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Divezo ! Divezo ! Go, 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 go ! Où en sommes-nous pour les grèves ? Nos estimations prévoyaient que de nombreux Européens seraient de notre côté. Tous les travailleurs occidentaux sont en grève, tous. D'autant plus que certains Tangarais qui avaient donné leur accord pour assumer un nouveau poste se sont rétractés. Pour quelles raisons ? Ils ont reçu une forte somme d'argent de leur entreprise pour rester chez eux. D'autres qui ont refusé cette somme, Monsieur le Président, sont à l'hôpital. Ils préfèrent détruire le pays plutôt que de coopérer avec nous. Un bras de fer? Eh bien, ils vont l'avoir. Je vais leur montrer. À partir de maintenant, je vais faire rapatrier tous nos avoirs bloqués au trésor public occidental. Nous allons sortir de la monnaie coloniale qui nous a asservis. Nous allons créer notre propre monnaie. On n'a jamais vu aucun pays au monde se développer sans sa propre monnaie.